Par un beau samedi matin, le papa de Caillou se dit que la journée était parfaite pour une promenade en voiture. Mais où as-tu décidé de nous emmener, papa? Oh, je l'ignore. Tu ne sais pas. Non, on va se balader et on verra ce qu'on trouvera. Caillou trouvait très étrange de ne pas savoir où cette balade les mènerait. Il se demandait ce qu'ils allaient découvrir. En route! Qui veut jouer à un jeu? Moi, je veux. D'accord, c'est parti. Vous devez trouver une grange rouge. Oh, en voilà une. Moi, je vois une grange rouge. Grange. Bien. Maintenant, qui voit une voiture blanche? Voiture, voiture. C'est une voiture, Mousseline, mais elle est noire, pas blanche. Voiture blanche! Voiture blanche! Maintenant, cherchons des vaches. Vaches! Mais... Caillou avait été le premier à voir les vaches. Mais il voulait laisser gagner Mousseline pour cette fois. Cherche des vaches, Mousseline! Vaches! Vaches! Mousseline, voir vaches! Bien joué, ma chérie! Mouh! Ce fut bientôt l'heure de s'arrêter pour manger et faire le plein d'essence. Est-ce qu'avec l'essence, on va remplir le réservoir, papa? Oui, et ces chiffres nous indiquent combien d'essence y est entrée. C'est beaucoup! L'essence est la nourriture de la voiture. L'essence fait qu'elle avance. On s'est arrêté pour manger et la voiture, elle boit elle aussi. Tu as compris. Ouah, tu as vu le camion, papa? On peut aller le voir, s'il te plaît. Mais oui, allez, viens. Caillou aimait les gros camions. Et celui-là était très beau et très brillant. Caillou s'imagina ce qu'il ressentirait s'il conduisait un gros, gros camion comme celui-là. Je suis le camionneur Caillou. Ce panneau signifie que des chevreuils traversent la route ici. Je ferais mieux de ralentir. Des hippopotames. Excusez-moi, vous me laissez passer, s'il vous plaît? Merci. Au revoir. Tu viens, camionneur Caillou, si on allait manger un peu. D'accord. Au restaurant, Mousseline était assise dans une chaise d'enfant. Mais Caillou s'assit sur la banquette comme un grand garçon. Et en plus, il choisit lui-même ce qu'il allait manger, car il y avait la photographie des plats sur le menu. Un sandwich au fromage, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que tu veux boire, Caillou? Un verre de lait. Après avoir bien mangé, ils continuèrent leur promenade. Caillou était un peu fatigué d'être en voiture. Caillou, regarde devant.
Est-ce que c'est un traversier? Est-ce qu'on va monter dessus? Et comment? Caillou n'était jamais monté sur un traversier auparavant. Je peux sortir voir le bateau? Pas tout de suite. On ne pourra sortir de la voiture que lorsqu'on entendra la sirène. Oh. C'est faux! Une, deux, trois, quatre, cinq voitures. Ce n'est qu'un tout petit traversier. Il y a de très grands traversiers qui transportent des centaines de voitures. Waouh! Tu as vu, papa, ces oiseaux n'arrêtent pas de nous suivre? Oui, ce sont des mouettes. Oh. Caillou, regarde, lui c'est le capitaine. Par ici! Bienvenue à bord! Le capitaine du traversier fit voir à Caillou comment fonctionnait le bateau. Et lorsqu'ils approchèrent de la rive, il laissa même Caillou faire retentir la sirène. Alors, Caillou, tu as aimé ta toute première balade en traversier? Oui, et spécialement la sirène. Mousseline a dormi tout le long de la traversée. Ça ne fait rien parce que je vais tout lui raconter à son réveil. Caillou repensait à toutes les belles choses qu'il avait vues ce jour-là. Les vaches, la pompe à essence et le gros camion. Et le restaurant où il avait pu commander tout seul. Et le traversier avec sa sirène retentissante. Caillou se disait qu'il aimait bien les promenades en voiture. Et surtout, celles où l'on ne sait pas au départ où l'on va. Une balade en voiture. Caillou, Mousseline, vite, montez en voiture, il faut y aller. Je suis excitée, on va se promener. Mais papa ne me dit pas où on va. Préparez-vous les enfants, bouclez votre ceinture. On n'est pas arrivé de sitôt. On s'amuse à compter les voitures et à dire de quelle couleur elles sont. Une voiture bleue, un camion rouge, une motocyclette. Regardez, il me dit bonjour. Une balade en voiture, ture, ture. On part à l'aventure, ture, ture. On file à toute allure, lure, lure. Oui, on se balade en voiture. Regarde, papa, une vache. Une balade à la campagne, une balade en ville. On visite des endroits intéressants. Une balade en voiture, c'est amusant. On rencontre des gens, on se fait des amis. Une balade en voiture, ture, ture. On part à l'aventure, ture, ture. On file à toute allure, lure, lure. Oui, on se balade en voiture. Une balade en voiture, ture, ture. Une balade en voiture. Caillou et le dragon. C'était un jour très spécial à la garderie de Caillou. Un petit garçon nommé Alain devait venir visiter les lieux. Allons les enfants, j'aimerais vous présenter un nouvel ami, Alain. Salut Alain! Alain est venu pour découvrir ce qu'est une garderie et ce qu'on y fait. Si ça lui plaît, il se pourrait qu'il s'inscrive. Tu viens Alain? Je vais te faire visiter. Oui, viens Alain. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai 5 ans. Moi, j'ai 4 ans, mais je vieillis un peu à chaque journée. Moi aussi. Tu ne sais pas comment on grimpe? Je peux grimper. Tiens-toi ici. Oh, et mets un pied ici. Maintenant, soulève-toi et passe ta jambe au-dessus. J'ai réussi. Regarde-moi, je me balance. Je me balance aussi. Tiens-toi. Fais comme ça, Alain. Maman,
tu as vu? Je me balance vraiment. Caillou se demandait pourquoi Alain avait autant de mal à grimper et à se balancer. Après tout, Alain était plus vieux que Caillou d'une bonne année. Alain et sa maman avaient apporté un goûter spécial, des petits gâteaux au chocolat pour toute la classe. Tout le monde les dégusta avec plaisir. Madame Martin, Alain est plus vieux que moi. Pourquoi il a du mal à faire ce que je sais faire? Certaines choses sont difficiles à apprendre pour lui et il a besoin d'un petit peu plus de pratique. Je suis bien contente de voir quel bon coup de main tu fournis à Alain. Je parie qu'il y a certaines choses qu'il sait faire encore mieux que moi. Tu as sûrement raison. Et si on montait une pièce? Je m'en vais dans la jungle pour prendre des photos d'animaux sauvages. Moi, je serai le chauffeur. Je conduis un 4x4. Toi, qu'est-ce que tu vas faire, Caillou? Caillou se demandait bien en quoi Alain allait se déguiser. Tu viens, Caillou? Il faut planifier la pièce. En peu de temps, ils furent prêts à présenter leur spectacle. Je m'en vais en Afrique prendre des photos d'animaux sauvages dans la jungle. Et je suis le chauffeur. On y va. Attendez-moi. Je suis un animal sauvage. Prenez ma photo. Je suis un dragon. Les dragons ne vivent pas dans la jungle. Ils vivent dans les contes de fées. Non, ce dragon vient visiter la jungle pour la toute première fois. Un dragon dans la jungle? Je me dépêche à le photographier. Tranquille, dragon. Ce n'est rien. Hé, hey, le dragon est un sauveur. Je suis le meilleur dompteur du dragon et je vais dompter ce dragon. Petit dragon, tu seras bien gentil. Tu es un bon petit dragon. Tu n'as pas joué les méchants en effrayant tout le monde. Tout le monde ici veut devenir ton ami. Le dragon est maintenant dompté et il va m'amener faire un beau tour de dragon. Prends une photo, Clémentine. Et on s'envole. En effet, tu as raison. Et j'ai trouvé une ou deux choses pour lesquelles tu as beaucoup de talent, Caillou. C'est vrai? Tu es un bon dompteur de dragons, mais tu es aussi un excellent ami. Ouais, on est des dragons, Caillou! Venez ici, petit dragon! J'adore la garderie!
La première journée d'Alain à la garderie avait été si amusante que tous souhaitèrent le revoir parmi eux très bientôt.